frère a 5 ans. بدينا لا بارسان كياك ماشي يلا بدينا يلا 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 بدينا فيها ماشي لا بارسان كياك مازال ما حسبناش ماشي مازال ما عرفنا ماشي يلا حسبنا انت غادي نخليو لا بار 5 من بعد خليوها حنا غنشوفوها من بعد لا بار 5 بغيت ممكن نمشيو ممكن نمشيو نعم ممكن غادي نمشيو من غادي فوالا انا شويه غادي نرجعو لا بار 5 نرجع للشيما انيسيال حيت شنا اون افي كومون اون ديمونسيون ان اسامبلاج افيك دي بولون سومي ا دي زيفور دو سيزايمون. Je vais voir avec vous un exemple d'assemblage de boulons soumis à des efforts de traction. On va traiter un exemple. Je vais revenir le schéma de départ. Donc, vous voyez le schéma? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. On a vu que la barre horizontale inférieure est en traction. On avait trouvé N6. À quoi est égal N6? C'est égal à N8. Combien? N6. 6000. 6000, voilà. 6000. Donc la barre 6 est soumise à l'effort de traction. En tout cas, toute la barre horizontale inférieure est soumise à la traction. Maintenant, voilà ce que je propose. La barre est à 12 mètres de longueur. La barre 1, 6. En fait, on peut trouver toute la barre en un seul tronçon. Mais parfois, on peut ne pas trouver des longueurs de 12 mètres ou bien on a des longueurs en stock qu'on veut utiliser. Supposons que pour la barre 6, qu'on avait trouvé, je crois, un IP80, on a un tronçon qui fait 8 mètres et un tronçon qui fait 4 mètres. Dans ce cas, il faut les assembler. Alors voilà, par exemple, le premier tronçon de l'appui A jusqu'à un point ici sur la barre 6, puis de ce point jusqu'au deuxième appui, on a un deuxième tronçon. Donc, on a un tronçon de 4 mètres et un tronçon de 8 mètres. Et l'assemblage va se faire sur la barre 6. Sachant que la barre 6 est soumise à un effort de traction. Donc, il faut assembler. En fait, il y a plusieurs moyens d'assemblage. Premier moyen d'assemblage, par exemple, c'est en soudure. On peut souder les deux tronçons et on obtient un seul tronçon. Deuxième moyen d'assemblage, c'est d'assembler les deux tronçons par des boulons. Voilà par exemple ce que je propose comme assemblage. Donc, vous voyez ce schéma? Donc, dans ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux tronçons de la barre, donc les deux profilés en I, IPE80, donc c'est les profilés bleus, qu'on doit assembler. Comment, par exemple, on propose l'assemblage? Je propose l'assemblage suivant. Sur chaque tronçon, on va souder une platine verticale.
Vous voyez qu'on a deux platines verticales. Chaque platine verticale est soudée sur le tronçon de la traverse. Puis, les deux platines verticales vont être boulonnées. Ici, on a un petit profilé IPE80. À l'intérieur du profilé, je ne peux mettre qu'un boulon parce que la hauteur est faible. C'est 80 mm, c'est 8 cm. Donc, à l'intérieur, on a un boulon qu'on voit ici, mais symétriquement derrière, il y a un deuxième boulon. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on ne peut mettre que deux boulons. En général, je peux assembler par deux boulons, mais c'est un peu risqué. Donc, il vaut mieux augmenter la sécurité de l'assemblage en rajoutant d'autres boulons. Ce qui fait que je vais augmenter la hauteur des deux platines qui sont soudées sur les deux tronçons. Et sur chaque platine, les deux platines vont être assemblées par, cette fois-ci, six boulons. Les trois boulons qu'on voit et trois boulons symétriques. Donc, finalement, l'assemblage va être... l'assemblage des deux platines, des deux tronçons, va être fait par six boulons. Vu que les deux tronçons sont soumis à la traction, donc vous voyez les efforts N6, les efforts N6 tirent sur la traverse N6. Donc on a un effort de traction, ça veut dire que l'assemblage va être soumis à un effort de traction. Parce que la partie de la platine supérieure qui déborde et la partie inférieure de la platine qui déborde, quand je tire par un effort de traction, il risque de se déformer. Il risque de fléchir. Pour limiter leur flexion et pour les rendre plus rigides, alors j'ai rajouté d'autres platines que vous voyez en haut, qu'on appelle raidisseur. Donc c'est cette platine qu'on voit. Donc voilà ce que vous voyez ici, c'est une deuxième platine verticale qu'on appelle raidisseur qui va être soudée sur la platine verticale et va être soudée sur le profilé. Le rôle de cette platine, parce que lorsque je tire ici, cette platine verticale risque de se déformer comme ça, il risque de fléchir. Or, pour limiter la déformation de la platine verticale, j'ai rajouté un plat vertical que j'appelle réducteur qui va rigidifier la platine verticale et la platine verticale devient rigide même si les boulons, parce que les boulons vont exercer des efforts de traction sur la platine verticale et les réducteurs que j'ai rajouté ici, deux réducteurs en haut et deux réducteurs en bas, ces quatre réducteurs vont rigidifier les platines verticales. Et même si j'exerce un effort, parce que l'effort est important, c'est 6 tonnes. 6 tonnes, c'est pas un effort négligeable. Donc, ces raidisseurs verticales vont rigidifier la platine, les deux platines verticales qui vont assembler les tronçons et l'assemblage devient rigide. Donc ici, on voit qu'on aura besoin de deux types d'assemblage. On aura besoin des boulons, les six boulons qui vont ensabler les deux platines verticales, mais on aura aussi besoin de la soudure, parce que la platine verticale, cette platine verticale est soudée sur la semelle horizontale supérieure du profilé, elle va être soudée sur l'âme du profilé, mais elle va être aussi soudée sur la semelle inférieure du profilé. Ça, c'est la soudure de la platine verticale sur le profilé. Et aussi, on va souder ce raidisseur vertical sur le profilé et sur la platine verticale. Donc voilà comment on conçoit cet assemblage dans la barre 6 qui va être soumis à un effort de traction.
Si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les poser avant de passer au calcul. Est-ce que vous avez compris l'assemblage, le schéma? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez juste répéter, Redisseur, en ce qui concerne... Voilà, oui. Merci. Voilà le Redisseur, c'est cette pièce. Normalement, quel est son rôle? Son rôle, normalement, on peut ne pas la mettre si je mets une platine verticale très épaisse, mais ce n'est pas économique. Mais pour diminuer l'épaisseur de cette platine verticale, par exemple, je prends une épaisseur de 15 mm, ou bien 10 mm, 1 cm à 1 cm et demi, une épaisseur raisonnable. Le problème, c'est que lorsque je tire par cette force, ces boulons vont tirer comme ça. Ils vont être soumis à des efforts de traction. Et quand le boulon tire, cette platine risque de se déformer. Ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est comme un levier. Cette platine va se déformer comme ça. Parce que la barre tire comme ça. Et s'il est mince, il risque de se déformer. Donc, il risque de fléchir. Et lorsque les platines verticales se déforment, l'assemblage ne va plus fonctionner convenablement et on risque d'avoir un problème de structure. Donc, pour que les platines verticales restent rigides, moins déformables, je dois augmenter leur rigidité. Et pour augmenter leur rigidité, j'ai rajouté ce redisseur, c'est un appui, c'est une forme d'appui. Donc, ce redisseur est soudé sur le tronçon, puis est soudé sur la platine verticale. Comme ça, lorsque je tire par cette force, lorsque les boulons, parce que les boulons vont tirer, ce redisseur va empêcher la platine verticale de se déformer. Donc, elle va rester verticale, plane, même s'il est soumise à des forces de traction qui seront données par les boulons, par les 6 boulons. Donc, c'est ça le rôle de ces 4 redisseurs. J'ai choisi 4 redisseurs pour avoir un assemblage symétrique. Donc, si l'assemblage n'est pas symétrique, si jamais, par exemple, je prends que des boulons ici et des boulons supérieurs, l'assemblage ne sera pas symétrique. Il risque d'induire d'autres forces qu'on ne maîtrise pas. Donc, en général, on préfère avoir une symétrie parfaite. Comme ça, l'effort N6 va être bien réparti sur les 6 boulons et les deux platines verticales vont bien se déformer, bien se comporter parce qu'on a rajouté les 6 raidisseurs verticaux. Oui, merci monsieur, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, bien d'abord le schéma, est-ce qu'il est clair? Ça, c'est le premier point important. Oui, monsieur. Merci. Est-ce que tout le monde a compris le schéma? Oui, monsieur. Très bien, ça, c'est le premier point. Monsieur, là-bas. Oui, Zakaria. Monsieur, normalement, là-bas, monsieur, elle est sur les systèmes, les deux côtés, un FORM et N6. Oui, parce que la barre 6, on a vu qu'il est sollicité par un effort de traction. On est là sur l'assemblage, je pense, monsieur. Hein? Oui. Là sur l'assemblage, Flost. L'assemblage, monsieur, mais je suis exactement Flost. Je reviens au schéma initial. L'assemblage avec l'extrémité, monsieur. Allez. Donc là, j'ai supposé que j'ai deux tronçons. Un tronçon qui fait 4 mètres, un tronçon qui fait 6 mètres. J'ai pas voulu faire l'assemblage ici. L'assemblage dans la barre, je l'ai fait au milieu de la barre, quelque part ici. Pas au centre de la barre, mais à l'intérieur de la barre, ici. Quelque part ici. Ok, c'est bon, monsieur. À l'intérieur. Et toute la barre est soumise au même effort N6 qui est sur la section.
Monsieur, quelle que soit la section que je choisis, j'ai toujours le même effort N6. Puisque l'assemblage est là, ça veut dire qu'il va être soumis à l'effort N6, qui est un effort de traction. Oui, c'est ça, normalement. Maintenant, donc l'effort global, c'est N6. Et j'ai proposé 6 boulons. Donc, suivant ce schéma, j'ai déjà donné le nombre de boulons. Donc, qu'est-ce qu'il faut dimensionner? Il faut dimensionner les diamètres des boulons, les sections du boulon, en choisissant une résistance pour les boulons, une nuance. Donc, on fixe une nuance pour les boulons. Donc la nuance est fixée, puis le nombre des boulons est fixe. Donc il faut choisir une section, puis un diamètre. La condition à utiliser pour dimensionner un boulon soumis à un effort de traction, donc lorsqu'on a l'effort N6 va être réparti, on suppose qu'il va être réparti uniformément sur les 6 boulons. En fait, la répartition n'est pas parfaite à 100%, mais elle est presque parfaite, parce que les boulons extérieurs vont supporter un peu plus que les boulons intermédiaires, parce qu'il y a un effet de levier que je vais expliquer après. Donc, supposons que l'effort N6 est réparti d'une façon uniforme sur les 6 boulons. Ça veut dire que chaque boulon va être soumis à un effort de traction N, qui va être égal 2000. Oui. 2000. Combien? 2000, là, monsieur. 1000. On a 6 boulons. On a 6 boulons. Ah, donc 1000. 1000. Donc c'est 1000 divisé par 6, 1000. Vous voyez que chaque boulon, il se met à un effort de traction de 1000. Ça veut dire une tonne. Alors, c'est énorme. C'est pas négligeable. Mais heureusement que l'acier a une grande résistance à la traction. C'est un grand avantage. Donc voilà la condition à vérifier lorsqu'on a un boulon soumis à un effort de traction N. Donc là, le boulon est soumis à un effort de traction, ça veut dire qu'il va être soumis à une contrainte de traction. Donc la contrainte de traction dans le boulon, c'est N sur la section du boulon AB. Donc voilà la contrainte de traction. Mais vu que le boulon va être serré par une clé qui va donner un léger moment de torsion, parce que lorsqu'on serre un boulon, lorsqu'on serre l'écrou, donc lorsqu'on arrive au serrage maximum, peut-être on a exercé un petit effort de torsion dans le boulon, sans se rendre compte que cet effort il existe dans le boulon. Alors, le règlement recommande d'augmenter la contrainte et de la majorer par un coefficient de sécurité est égal à 1,25. Comme ça, s'il y a un effort de plus dans le boulon, il va être pris en compte par ce coefficient de sécurité. Donc finalement, la contrainte globale majorée, c'est 1,25 fois N sur AB, avec N l'effort de traction dans le boulon, AB la section du boulon, qui doit être inférieur ou égal à la résistance du boulon qu'on avait appelé la dernière fois, sigma n. Donc, il suffit d'abord de calculer la section du boulon. Donc, la section du boulon va être égale à, donc, suivant le schéma, donc c'est 1,25 fois n sur sigma n. Or, n, c'est 1000, on vient de le calculer, et sigma n, on choisit la même nuance qu'on a choisi la dernière fois, ça veut dire que l'acier, c'est un acier classe 8.8, il a une résistance à la traction de 55, donc sigma n égale 55 décanewtons par millimètre carré. Donc ce qui donne une section de 22,72 millimètres carrés. S'il vous plaît, vous allez vérifier est-ce que la valeur est juste. Oui, monsieur, c'est vrai. Monsieur, c'est juste. C'est juste, très bien.
Donc, on a trouvé la section du boulon. Donc, une fois qu'on trouve la section du boulon, il faut chercher le diamètre. Malheureusement, dans le tableau que j'avais donné avant ici, il n'y a pas le diamètre 8. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Ce n'est sigma n. Il y a la résistance à la traction du boulon. Ah, d'accord. Monsieur, que tu comptes la table. Ah, il fait un tableau, oui. D'accord. À deux tableaux, juste, vous rappelez, on a choisi comme classe de boulon, classe 8.8, c'est l'avant-dernière colonne. Classe 8.8, ça veut dire que la résistance est 550 MPa ou bien 55 décanétons par millimètre carré. Donc, elle est choisie dans ce tableau. Puis, donc on a déterminé la section, donc il faut choisir le diamètre. Or, malheureusement, le diamètre, on ne l'a pas ici dans ce tableau. Je vais, par exemple, parce que ici, le petit diamètre, c'est 10 mm, 10 mm M10. Il a une section résistante de 58. Donc, la section qu'il faut considérer, c'est pas A, c'est AS, ou bien ce qu'on a appelé AB dans l'exercice. Ici, on a 58 mm carrés. Peut-être le diamètre qui passe, c'est un diamètre plus petit. Dans ce cas, vous avez le catalogue, le mémothèque. Oui, monsieur. Donc, je vais chercher dans le mémothèque le diamètre qu'il faut. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, le Mémotech, il a une mise à jour en 2004. Est-ce qu'on travaille maintenant avec 2004 ou bien il y a une autre mise à jour? La mise à jour, parce qu'on est très limité. Un autre Mémotech. Ok, merci. J'ai un autre Mémotech, j'ai une autre version de Mémotech plus récente. Je vais voir comment vous... Je vais essayer de la mettre sur la plateforme. Ah oui, merci beaucoup, monsieur. Donc voilà le Mémotech. Donc dans le Mémotech, il y a un tableau plus complet
pour tous les diamètres qu'on trouve dans le marché, à partir du diamètre 5 mm, M5. Donc, pour le diamètre M5, 5 mm, la section, c'est 14,2. Et pour le diamètre 6M6, c'est 20,1. Et pour le diamètre 8M8, c'est 36,6 mm carrés. Donc, la solution pour notre, quoi, c'est le, pour notre cas, c'est le diamètre M8. Parce qu'il a une section supérieure ou égale à celle qu'on a trouvée. Donc, il a une section de 36,6 mm carrés. Donc, ce sera notre solution. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc, la solution, donc, symbole en M8, de section AB égale 36,6 mm carré. Donc, on a vu maintenant un exemple comment on dimensionne les boulons qui sont soumis à un effort de traction. Après, parce que malheureusement, maintenant, on n'a pas le temps, on va voir comment on dimensionne des boulons qui vont... un effort de traction et éventuellement un moment fléchissant. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais on va voir après comment on le dimensionne. Est-ce que vous avez des remarques ou bien des questions? Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, je veux pour le M6, j'ai les deux côtés. Là M6, j'ai de le côté, M6 de l'autre côté. Yeah, oui. Il y en a 6000 de ce côté, 6000 de l'autre côté, là. Là, c'est la même valeur. Mais oui, c'est la même valeur. C'est la même valeur. Lorsqu'on tient, par exemple, un ressort, lorsque je tire des deux côtés, c'est la même valeur. Oui, c'est mais pas c'est... deux fois. C'est la même. C'est la même valeur, ça. Oui. Et alors, on le considère d'un côté ou bien d'un autre. Mais c'est toujours la même valeur de traction. Ah, merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une remarque ou une question? Parce que, est-ce qu'on va faire la barre N5 ou bien je vais parler de la soudure? On a vu maintenant comment on dimensionne les boulons. Vous voyez que c'est pas difficile. Il faut juste avoir une petite expérience comment on les place, comment placer le nombre de boulons, comment les répartir. Mais les calculs ne sont pas très difficiles. Maintenant, je vais parler un petit peu de la soudure.
Donc vous voyez que dans l'assemblage précédent, même si on a assemblé les deux tronçons par des boulons, on était obligé d'avoir aussi la soudure. Donc en général, c'est ce qu'on a. Souvent, dans le même assemblage, on trouve de la soudure et des boulons. On a vu comment on peut dimensionner les boulons. On va voir comment on peut dimensionner les soudures, parce que les soudures aussi, on peut les dimensionner. Il y a des règles de dimensionnement des soudures. C'est des règles de RDM un peu plus poussées, adaptées et appliquées aux efforts appliqués sur les soudures. On a en fait trois types de soudures qu'on va définir aujourd'hui. Le premier type de soudure qu'on appelle soudure bout à bout, ou bien dans un langage technique, on l'appelle aussi rabotage, le rabotage. Donc, en général, dans les ateliers, dans les entreprises, on parle de rabotage. Ou bien ici, dans un langage universitaire, on parle de soudure bout à bout. Donc, c'est quoi une soudure bout à bout? C'est lorsqu'on veut assembler deux pièces par soudure. L'assemblage des deux pièces par soudure dépend de l'épaisseur des pièces à assembler. Donc, si on a des pièces qui ont des épaisseurs, des petites épaisseurs, par exemple ici, lorsqu'on a une épaisseur, donc le premier schéma en haut à gauche, donc on veut assembler des pièces qui ont des épaisseurs inférieures ou égales à 6 mm. Donc ici, l'unité de mesure pour la chaperonne, c'est toujours le millimètre. Donc on laisse un vide entre les deux pièces, à peu près 2 mm à 3 mm. Puis, donc on va souder par un métal d'apport, qu'on appelle un métal d'apport, par une bagatte. Donc on va chauffer les deux extrémités de la pièce, puis on va couler un métal fondu qui va assembler les deux pièces. Ce métal fondu, c'est la soudure. Ici, on voit plusieurs schémas, plusieurs possibilités. Les trains, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, les rails, ils sont soumis à des efforts dynamiques. Cette machine-là, la matière, elle est plus précieuse, plus chère, ou ça décrite avec une grande précision. Ok, monsieur Max. Par contre, en charpente métallique, dès que je soude des pièces, ça y est, il n'y a pas un effet dynamique, l'effet, c'est statique. Les rails, tu as raison, c'est plus compliqué. Parce que l'année dernière, je crois bien l'année passée, j'ai assisté à un doctorat d'État, ici un doctorat à l'ENSEM, l'école ENSEM. Il y avait un étudiant qui a fait son doctorat sur les soudures des rails, comment on les exécute, comment on les calcule, quelles sont les précautions à faire. Si vous voulez, j'ai le document complet. Je peux vous partager avec vous ce document. Ok, monsieur, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que son doctorat, c'est-à-dire son thèse? Oui, sa thèse, exactement. Sa thèse de doctorat. Sa thèse de doctorat. Non. Attends. Dès que je termine, avant de terminer, je vais chercher. Si je le trouve, non, je l'ai malheureusement dans un autre PC, je ne l'ai pas ici. Je l'ai dans un autre PC et je peux partager avec vous le document, le doctorat. Vous aurez une idée quand même, oui, c'est intéressant parce que l'avantage, c'est qu'il décrit les différents types de soudures, de la soudure simple jusqu'aux soudures plus compliquées. Donc je vous rappelle que... Ah, c'est une bonne remarque. Normalement, il fallait faire au moins deux séminaires, tu as raison, deux séminaires, au moins deux séances de 4 heures.
pour avoir une idée sur le ferroviaire, effectivement, parce que les chemins de fer, c'est des fondations, c'est des balastres, c'est des fondations, c'est des rails, c'est... Non, non, tu as raison, tu as raison. Nous, voilà, l'Astapé, on fait... Là, c'est une bonne question. Je pense, parmi les remarques qu'il faut faire à l'EMSI, peut-être diminuer certains cours et rajouter d'autres cours. Au moins deux ou trois séances. Trois séances, à mon avis, ça donne une idée sur le chemin de fer. Parce que nous, à l'HPP, on donne un cours. Quand on dit le cours du bâtiment, on peut intégrer les techniques de réalisation. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Avec le avec le deuxième année ou la troisième année avec le cours. Troisième année, monsieur. Troisième année. Souhaite les barrages, souhaite les bâtiments. Voilà, exactement. Souhaite les barrages, souhaite les bâtiments, souhaite les aéroports. C'est un moment humide. C'est des remarques qu'on va proposer l'EMSI pour améliorer les cours. Donc on continue. Donc lorsqu'on a des petites épaisseurs, voilà comment on soude. Par contre, si l'épaisseur devient un peu plus grande, c'est le premier schéma à droite. Donc là, vu que l'épaisseur peut aller jusqu'à 15 mm à peu près, entre 6 et 15 mm, 15 mm c'est 1,5 cm. Ça veut dire que l'épaisseur elle est relativement plus grande. Pour bien réaliser la soudure, il faut faire une ouverture un peu plus grande. Pour faire une ouverture un peu plus grande, on va faire chanfreiner les deux pièces aux deux extrémités. Comme ça, on aura une ouverture en V, qui a un angle à peu près égal à 60 degrés. Et là, on va couler la soudure sur une surface plus grande. Comme ça, on va être sûr que la soudure va traverser toute l'épaisseur. Parce que si on laisse une petite épaisseur, on risque de ne pas, si l'ouverture est petite, on risque de ne pas avoir une, on risque de, que la soudure ne traverse pas toute l'épaisseur. Mais avec l'ouverture en V, on sera sûr que toute l'épaisseur des deux pièces les deux pièces vont être assemblées sur toutes leurs épaisseurs. On sera sûr. Maintenant, si encore l'épaisseur est encore plus grande, là, il faut souder des deux côtés. Ici, on soude d'un seul côté. Par exemple, on soude de la face supérieure. Mais si l'épaisseur est plus grande, par exemple, si le schéma en bas, le schéma en bas à gauche, si l'épaisseur T est entre 12 et 40 mm, donc on va chanfreiner le côté supérieur et le côté inférieur. Donc ça va être une ouverture en X. Comme ça, on va souder le V de la face supérieure et le V de la face inférieure. Et comme ça, on aura toute l'ouverture qui va être pleine par la soudure et les deux pièces seront bien assemblées par soudure. Donc on a cette solution par deux V ou bien un X ou bien une solution. À droite, c'est une soudure... on dit par la forme en K. Donc, deux angles, c'est la même chose, sauf que ici, on va chanfriner une seule pièce. L'autre pièce, donc, il va rester intact, et la pièce de droite qui va être chanfrinée. Et on va souder des deux côtés. Comme ça, on va être sûr que les deux pièces seront bien assemblées par soudure. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le premier type de soudure qu'on appelle... soudure bout à bout ou bien soudure par rabotage. Donc si vous avez une question ou bien vous pouvez poser des questions, bien remarque. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Donc, la forme en K. Oui. Et est-ce qu'il y a
un risque de glissement ou rotation, quelque chose comme ça. Non, donc dès que l'ouverture est pleine et s'il est bien réalisé, c'est bon. Mais tu as raison. Moi, je préfère le X parce que le X, on a une symétrie dans les deux pièces. Le K n'est pas très bien symétrique, c'est vrai. Il y a un petit risque si la soudure n'est pas bien réalisée. Monsieur, pourquoi pourquoi on reçoit toutes les fissurations des fois, toutes les soudures, monsieur? À cause de quoi? À cause, parfois, il y a des bulles d'air, malheureusement, qui s'introduisent dans la soudure. Ces bulles d'air peuvent donner des fissures. Si, parce que le soudeur doit être très professionnel. En général, dans les grands projets, souvent l'entreprise qui va exécuter les soudures, on leur demande que les soudures doivent être certifiées. Parce que les soudures, en général, ils font des stages et ils doivent avoir un certificat comme quoi ils sont qualifiés pour les grands projets, pas pour les... Je parle de la charpente métallique des grands projets. Pas pour la menuiserie, pas pour les portes, les fenêtres. Ça ne demande pas une grande compétence. Mais pour la structure métallique, les grands projets, les grandes charpentes, en général, lorsque l'entreprise est sélectionnée, dans son dossier administratif, on demande dans l'entreprise les noms des soudeurs et les certificats de qualification des soudeurs. C'est obligatoire dans un dossier technique administratif d'une entreprise qui va exécuter le projet. Ça, c'est dans la charpente. Par contre, dans un autre domaine plus précis, dans la tuyauterie, parce que la tuyauterie peut... donc, la tuyauterie pour les gaz, le pétrole... Et ça, c'est la soudure, ça demande encore une compétence beaucoup plus grande. Et ça veut dire que les soudures là-bas, ils doivent être très, très qualifiés. On n'a pas droit à l'erreur, parce que là-bas, si on risque d'exécuter des soudures avec des fissures, on risque d'avoir des problèmes, des explosions, bien sûr. Et ce qui fait que les soudures là-bas, ils sont très, très bien. Ils peuvent être payés mieux que les ingénieurs parce que leur mission n'est pas simple. La soudure là-bas est très compliquée à exécuter, donc ça demande une grande maîtrise de l'exécution. Les deux, l'expérience ou parfois le type de soudeur de la tuyauterie, ils font de temps en temps des stages. Malheureusement, nous au Maroc, je crois qu'on au Maroc, on va faire un institut de soudure. Par exemple, en France, dans chaque ville, dans les grandes villes, on a toujours un institut de soudure, et c'est dans cet institut donc qu'il y a toujours les soudeurs qui viennent passer des stages. Régulièrement pour améliorer leur niveau et ils seront des diplômés, donc ils auront des certificats. C'est important pour les grands projets, surtout dans le domaine industriel, la tuyauterie. Donc la tuyauterie qui transporte les gaz, le pétrole et d'autres produits industriels. Donc là-bas, on n'a pas droit à l'erreur. Donc on continue. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres remarques? Non, monsieur, merci. Donc, on va voir la suite parce que c'est juste le début.
Maintenant, lorsqu'on veut dimensionner une soudure, la soudure est... Donc, vous voyez ici des exemples de pièces soudées. Par exemple, le premier schéma en haut. Donc, on a assemblé deux pièces, une pièce horizontale, une pièce verticale, par deux soudures. Donc, vous voyez les soudures, c'est les deux triangles en noir. Donc, c'est comme ça qu'on représente une soudure. Donc, une soudure est représentée par un triangle en noir, la coupe de la soudure. Mais en général, on la représente par un triangle pour simplifier. Mais souvent, la soudure n'est pas parfaitement droite. C'est le schéma en bas qu'on trouve. Donc, la partie extérieure, souvent, elle est courbe. Elle est arrondie. Mais nous, dans les dimensionnements, on suppose que la partie extérieure est pratiquement plate. Juste une approximation pour le dimensionnement. Donc, la soudure, pour dimensionner une soudure est définie par deux paramètres. Par son épaisseur et par sa longueur. Donc, l'épaisseur, c'est le petit cas que vous voyez pour chaque cas. Donc, vous voyez que comment on définit l'épaisseur de la soudure. Donc, c'est la diagonale et la longueur de la diagonale de la soudure. C'est cette diagonale qui définit l'épaisseur de la soudure. En général, pour les soudures, on a l'expérience. Si on a deux pièces à souder, par exemple, chaque pièce a une épaisseur. Supposons que les deux pièces ont deux épaisseurs différentes. Donc, on prend la petite épaisseur des deux pièces assemblées. En général, on multiplie cette épaisseur par 0,7 et ça donne l'épaisseur de la soudure. Puis, il faut la vérifier par calcul. Je donne un exemple. Supposons que je veux souder deux pièces. La pièce horizontale a une épaisseur de 10 mm. La pièce verticale a une épaisseur de 12 mm. Donc, je prends la petite épaisseur, c'est 10 mm. Je multiplie par 7, par 0,7, ce qui me donne une épaisseur de la pièce petit a de 7 mm. Donc, j'ai déjà une base d'épaisseur. Maintenant, la soudure a une longueur. Donc, vous voyez dans le tableau que vous voyez en haut, à droite, il donne des exemples d'épaisseur de soudure petit a en fonction de la petite épaisseur des deux pièces assemblées. C'est un ordre de à peu près de 0,7. Donc, il suffit de prendre la petite épaisseur et la multiplier par 0,7 et ça donne l'épaisseur de la soudure. Maintenant, la soudure est définie aussi par sa longueur. Donc, voyez le schéma à droite ici. Le schéma à droite en haut. Donc, voyez le petit triangle noir, c'est la coupe de la soudure. Puis, dans le petit triangle, on a l'épaisseur petit a qu'on a vu tout à l'heure. Mais la soudure, il a une longueur petit l. Donc, vous voyez la longueur de la soudure, L. Donc, il a une section triangulaire, mais il a une longueur L. Donc, la soudure va être définie par ces deux dimensions, par sa longueur L et par son épaisseur petit a. En général, dans le dimensionnement, si je fixe la longueur, suivant la géométrie des pièces assemblées, je dois dimensionner l'épaisseur. Je prends une épaisseur initiale, puis je vais la vérifier, voire même je peux la calculer. Ou bien l'inverse, si je fixe l'épaisseur, ça dépend aussi de la géométrie des pièces assemblées, je dois calculer la longueur de la soudure. Donc on a l'un ou l'autre à fixer et l'autre à calculer.
Est-ce que vous avez une remarque ou bien si vous avez une remarque, on l'a compris. Monsieur. Oui. Avec la fâche ou retenir à double cas, avec le sens de courbe, dépend de quoi? Ah, tu as raison, il ne dépend de rien, il y a l'exécution. Donc, ça. Suivant les. De la soudure, ça dépend de l'épaisseur. Si on fait si on a une grande épaisseur, alors on fait plusieurs passes. On fait une première soudure, une deuxième, une troisième, une quatrième. C'est le cas où l'épaisseur est raisonnable. Parce que la soudure ne se fait pas en une seule passe. Plusieurs passes. Mais en général, on a les deux cas de droite. Donc la courbure, c'est vers l'intérieur, mais c'est vers l'extérieur. Souvent, la courbure, c'est vers l'intérieur. Mais si on a l'épaisseur, c'est pas grave, l'échna barrière. Non? Il a l'épaisseur, l'échna barrière. C'est pas grave, une photo à chouiller, c'est pas grave. Ah, mais une photo à chouiller, d'abord, le problème de la soudure, il a un avantage, c'est qu'il va assembler. Mais malheureusement, on va chauffer les deux pièces. Lorsqu'on chauffe les deux pièces, alors on risque d'affaiblir les pièces. Parce qu'on a ce qu'on appelle des contraintes résiduelles. Je vais les expliquer après. Oui. Avec le chauffage des deux pièces assemblées, lorsque les pièces assemblées vont se refroidir, parce que leur température, elle peut aller jusqu'à 1000 degrés. C'est énorme. Et lorsqu'ils se refroidissent à la température ambiante 25, donc le refroidissement risque de donner des contraintes en plus. Donc il faut faire la soudure nécessaire, pas plus. Mais si on a dit que l'épaisseur, quand elle est refroidie. Voilà. Résultat final. Résultat final, exactement. Résultat final, tout à fait. Tu as raison, parce que lorsqu'il est chaud, il va être un peu plus épaisse. Lorsqu'il est refroidi, il va diminuer d'épaisseur. Maintenant, on va définir les règles comment dimensionner une soudure. Donc, vous voyez le schéma. Ici, j'ai représenté trois schémas. On va voir le premier schéma, juste les schémas. On va passer l'autre page pour le dimensionnement. Donc, ici, pour le premier schéma, vous voyez la soudure. Donc, l'angle qui est dans l'épaisseur et la longueur, L. Dans le deuxième schéma, au milieu, c'est ce qu'on appelle section de la gorge. En fait, dans le volume de la soudure, on va faire une coupe. Une coupe suivant la bisectrice. Donc, vous voyez un plan en pointillé dans le schéma du milieu. Donc, dans le schéma du milieu, on a fait une coupe, une section rectangulaire qui est définie par deux dimensions, par la longueur L et par l'épaisseur petit a. Et c'est cette section prise dans la soudure qui va être dimensionnée par rapport aux efforts qui vont être appliqués sur la soudure. Donc ce schéma, je veux revenir au schéma, voilà. Donc en fait, ici, normalement, j'ai deux pièces assemblées. Théoriquement, c'est une pièce, par exemple, horizontale, une pièce verticale. Mais j'ai tourné les deux pièces pour voir l'ensemble d'une façon en 3D. Donc, vous voyez les deux pièces qui sont soudées par une soudure. Donc, vous voyez le triangle qui définit l'épaisseur de la soudure, qui définit la coupe de la soudure et la longueur de la soudure, L. Donc, c'est un élément volumique qui est une section triangulaire et qui a une longueur L.
Maintenant, dans cet élément volumique qui est la soudure, je fais une coupe. C'est le rectangle en pointillé. Le rectangle en pointillé, il a une largeur petit a, qui est l'épaisseur de la soudure, et une longueur L, c'est la longueur de la soudure. Ce rectangle, c'est la section de la soudure qu'on définit et qu'on va dimensionner après. Donc voilà la section qu'on va chercher à dimensionner suivant les efforts appliqués. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, c'est quoi la différence entre la section de gorge et la section de contact? Section de gorge, il y a des clés, le triangle en pointillé. Hein? Par contre, le contact, ça a un impact par rapport à la pièce verticale et par rapport à la pièce horizontale. On a deux surfaces de contact et la gorge, c'est la section en pointillé. C'est elle qu'on va dimensionner. Monsieur, on peut dire que la gorge, c'est la section au milieu. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est la section au milieu et c'est la section la plus faible. C'est la section au milieu, exactement, c'est la section au milieu. Et cette section au milieu, qu'on va essayer normalement de dimensionner. Oui, merci monsieur, merci beaucoup. Donc, normalement, la soudure assemble deux pièces. Et les charges sont appliquées sur les deux pièces. Ça veut dire que les pièces assemblées vont être soumises à des efforts. Et ces pièces assemblées vont transmettre l'effort à la soudure, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour les boulons. Donc la soudure va être soumise à des efforts transmis par les pièces assemblées. Dans le cas général, les efforts qui sont transmis à la soudure, on peut les décomposer en trois types de contraintes. Ça veut dire que cette section de la gorge que vous voyez en pointillé, suivant les efforts appliqués sur les pièces assemblées, cette section peut être soumise à une contrainte de traction sigma, éventuellement à deux contraintes de scissement. Une contrainte dans le plan de la section, top parallèle, parallèle à la longueur, et une contrainte de scissement, toujours dans le plan de la section, perpendiculaire, perpendiculaire à la longueur et parallèle à l'épaisseur petit a. Donc ça, c'est le cas général qu'on peut trouver. Donc, quelle que soit la soudure qui va être soumise à des efforts, ces efforts, on peut les décomposer en trois composantes. Une traction et éventuellement deux contraintes de scissement. Supposons qu'avec les règles de RDM, on a calculé ces contraintes. Donc, notre soudure est soumise à la contrainte sigma et les deux contraintes tau. Vu qu'on est, donc ici, on sera dans un cas général. Lorsqu'on a un élément métallique soumis aux trois contraintes, contrainte de cisaillement plus contrainte de traction, la condition de vérification, c'est le critère de Van Mises. Donc il faut que la racine de sigma carré plus 3 fois top perpendiculaire au carré plus top parallèle au carré, donc le tout doit être inférieur ou égal à la limite élastique. Or, ici, on peut avoir deux limites élastiques parce que les pièces assemblées ont une limite élastique et la soudure, c'est la scie aussi, il peut avoir une limite élastique différente et c'est le cas général. Et en général, la limite élastique de la soudure est supérieure ou égale à la limite élastique des pièces assemblées. Ce qui fait que on aura deux limites élastiques à manipuler, on doit faire attention. Dans le bureau d'études, en général, nous, on précise la limite élastique des pièces assemblées. Mais on ne maîtrise pas la limite élastique de la soudure. Mais en général, la limite élastique de la soudure est supérieure ou égale à celle de la limite des pièces assemblées. Ce qui fait que on doit, lorsqu'on fait le dimensionnement, dans le dimensionnement, c'est inférieur ou égal à sigma E des pièces assemblées.
pas de la soudure. Or, nous, on veut dimensionner la soudure et on vérifie par rapport à la limite élastique des pièces assemblées, ce qui fait que on doit faire une petite correction. Donc, le critère est multiplié par un coefficient K qui corrige parce qu'on dimensionne la soudure et on vérifie par rapport à la limite des pièces assemblées sigma E. Sachant que la soudure toujours a une limite élastique supérieure à celle des pièces assemblées, souvent le coefficient K est inférieur à la 1. En général, il est égal soit 0,7, soit 1. Donc, par précaution, on prend par exemple le K égal à 1 et on vérifie notre soudure. Sinon, si je maîtrise les deux limites élastiques, pendant l'exécution du travaux, je peux prendre K égale à 0,7. Je peux vérifier. Supposons que, par exemple, pour la limite élastique des pièces assemblées, c'est 23,5. Et la limite élastique de la soudure, c'est 27,5. Donc, je sais que la limite élastique de la soudure est supérieure à celle des pièces assemblées. Donc, normalement, le rapport K, c'est sigma E des pièces sur sigma de la soudure, ça veut dire que c'est 23 sur 5 divisé par 27,5, ce qui donne à peu près 0,7. Un peu plus ou bien un peu moins, mais en général, on prend 1, K égale à 1. Donc ça, c'est le critère général de dimensionnement. Oui? Monsieur, K, monsieur, il y a la raideur. Là, non, c'est un coefficient. انا ما عندها حتى علاقه بالغيدور ما عندها حتى علاقه بالكا اللي شفنا في الفلومون سي ان اوتر كا داكور ماشي سي ان اوتر كا بروبر لا سودور ديال لا سودور ابا مي ان جينيرال اون برون كا ايغال ا فوالا دو كا ميتاليك فوالا maintenant on va définir deux types de soudure et voir comment on dimensionne ces soudures. Une petite minute, s'il vous plaît. Je vais voir. Donc, le premier type de soudure, c'est ce qu'on appelle soudure frontale, ou bien cordon de soudure fronton. Donc, c'est quoi une soudure frontale? C'est les exemples que vous voyez ici. Si je commence, par exemple, pour l'exemple de droite. Donc, la pièce verticale assemblée avec la pièce horizontale par... Vous voyez, on a deux soudures ici. Donc, on a la soudure supérieure qu'on voit et aussi, on a une soudure inférieure. Donc, la pièce horizontale est soudée des deux côtés. Du côté de la face supérieure et de la face inférieure. Comme ça, on aura une symétrie. Les efforts seront bien transmis de la pièce horizontale vers la pièce verticale. Ici, la pièce horizontale est soumise à un effort normal de traction N, qui est perpendiculaire à la longueur de la soudure.
Donc, quand l'effort appliqué est perpendiculaire à la soudure, à la longueur de la soudure, on dit que la soudure est de type frontal. De même pour les... Oui. Juste le cordon soudé fronton, c'est la partie, c'est le volume triangulaire en haut et en bas. Hein. Voilà, un cordon, c'est un volume. Un cordon, c'est le volume supérieur. Et un deuxième cordon, c'est le volume inférieur. Donc, on a deux cordons de soudure. Merci, monsieur. Et juste, est-ce qu'ils sont toujours égaux? Pas nécessairement, monsieur. On peut avoir différents volumes. La partie de préférence égaux. De préférence presque symétriques. Ils ne peuvent pas être parfaitement symétriques, impossible. Mais oui, ils doivent être presque symétriques. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Pourquoi ils doivent être presque symétriques? Parce que quand j'applique un effort normal N, je passe maintenant au schéma de gauche. Donc le premier schéma de gauche et le deuxième schéma. En fait, ici, on a trois pièces assemblées. Donc deux pièces à droite. Les deux pièces à droite sont soumises à un effort de traction 1 sur 2 qui sont assemblées par deux cordons de soudure sur la pièce de gauche qui est soumise à un effort de traction N. Donc, là aussi, on doit avoir une symétrie parce que chaque cordon de soudure va supporter la moitié de l'effort. Donc, chaque cordon de soudure va transmettre de la pièce de gauche ou bien de la pièce de droite vers la pièce de gauche un effort de traction N sur 2. Donc, il faut que les deux soudures soient les mêmes puisqu'ils vont transmettre, ils doivent cheminer le même effort des deux pièces de droite vers la pièce de gauche. Donc, ils sont soumis au même effort. Donc, logiquement, ils doivent être soumis, ils doivent avoir les mêmes dimensions, même longueur et même épaisseur. Maintenant, on va voir comment on peut dimensionner ce type de soudure qu'on appelle cordon de soudure frontale ou bien soudure frontale. On va raisonner par rapport à l'effort. J'ai isolé un cordon de soudure, c'est le schéma que vous voyez en bas à droite, le triangle. Donc le triangle représente la section d'un cordon de soudure. Par exemple, j'ai pris le schéma de droite. Le cordon supérieur, par exemple, le cordon supérieur. Ce cordon supérieur, normalement, dans le schéma supérieur, il va être soumis aussi à un effort de traction. Normalement, c'est 1 sur 2. Moi, j'ai pris dans le cas général N. Donc, vous voyez que le cordon de soudure, l'effort N est perpendiculaire à la longueur. Donc, N est dans le plan du triangle de la section. Cet effort N qui va être appliqué sur le cordon de la soudure, je vais le décomposer en deux efforts. Parce que il faut se rappeler que la section qui va être dimensionnée, c'est la section du milieu, en pointillé. Donc c'est la section en pointillé qu'on va dimensionner. Donc, dans le triangle que vous voyez en bas, la section en pointillé, c'est, est-ce que vous voyez, dans le triangle, vous voyez la bisectrice? La bisectrice, c'est là où j'ai la section en pointillé. Donc c'est cette section en pointillé dans laquelle je vois l'épaisseur petit a, et là, une longueur perpendiculaire qu'on ne voit pas. Notre effort N fait un angle avec cette section en pointillé. L'angle, on estime qu'il est égal à peu près à 45 degrés. Donc cet effort N, je vais le décomposer en deux composantes. En une composante
perpendiculaire à la section que je vais appeler N indice petit n et une composante dans le plan de la section en pointillé que je vais appeler N indice P ou bien N indice P par exemple. Donc lorsque je décompose l'effort en deux composantes, dans la section de calcul, ces deux composantes vont donner des contraintes. L'effort N, indice N, est perpendiculaire à la section. Il va donner une contrainte de traction sigma. Et l'autre effort qui est dans le plan de la section, il va donner un effort de sixième. C'est comme un effort tranchant, parce qu'il est appliqué dans le plan de la section. Il n'est pas normal, il n'est pas perpendiculaire à la section. Donc finalement, lorsqu'on a une soudure frontale, dans cette position, l'effort N fait un angle de 45 degrés avec la section de dimensionnement. Je projette cet effort suivant la section, donc il va donner une composante perpendiculaire qui va donner une contrainte sigma, et une composante dans le plan de sigma qui va donner une contrainte de sixième. Donc ça, c'est juste le même schéma qui agrandit. Donc l'effort indice N, quand je le projette, est égal à l'effort N fois racine de 2 sur 2. Normalement, c'est N cosinus alpha ou bien sinus alpha, parce que un angle de 45 degrés entre... Donc voilà le schéma, ou bien le grand schéma. Voilà le grand schéma. Donc voilà l'effort N appliqué. C'est l'effort extérieur N. Et j'ai sa composante N indice N, qui est perpendiculaire à la section. Et l'angle entre les deux, c'est 45 degrés. Donc l'effort N indice N, c'est grand N fois cosinus alpha, si je prends l'angle en bas. Et cosinus alpha, puisque l'angle alpha est à peu près égal à 45 degrés, donc cosinus alpha, c'est racine de 2 sur 2. Donc finalement, N indice N, la composante de l'effort perpendiculaire à la section, c'est N racine de 2 sur 2. Puisque c'est un effort perpendiculaire à la section, donc il va donner une contrainte de traction. Sigma est égal à cet effort N indice N divisé par la section. La section, c'est la surface, A fois L. Mais vu que dans cet exemple, on a deux cordons de soudure, ça veut dire que j'ai deux sections. Donc, je prends la section. Monsieur, parallèle ou vertical, à quelle section? Oui? Parallèle ou vertical, à quelle section, monsieur? Maintenant, voilà la section qui nous intéresse. C'est cette section en pointillé. C'est cette section qu'on va dimensionner en pointillé. Et dans le cas de cordon de soudure, donc la section en pointillé, c'est ce que vous voyez, l'effort N appliqué fait un angle avec cette section en pointillé. Donc, puisque je veux dimensionner cette section en pointillé, je dois projeter cet effort N en deux composantes. En une composante N indice N qui est perpendiculaire à la section, normal à la section, puis une deuxième composante N indice P, par exemple, qui est dans le plan de la section. La composante N indice N, puisqu'elle est perpendiculaire à la section d'étude, donc c'est comme s'il tire sur la section. Donc il tire sur la section,
Donc, il va exercer une contrainte de traction sur la section. Par contre, la composante que vous voyez ici, N, indice P, c'est un effort qui est appliqué dans le plan de la section. Donc, c'est comme un effort tranchant, il va donner une contrainte de cisaillement dans la section. Donc finalement, on aura deux efforts. Un effort indice N, en le projetant, va être égal à N cosinus alpha, avec cosinus alpha, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est N racine de 2 sur 2. Cet effort, puisque c'est un effort de traction, il va donner une contrainte normale sigma de traction. Sigma est égal à l'effort N indice N divisé par la section. La section, c'est la section de la soudure, A fois L. Mais puisqu'on a deux soudures, donc on fait la somme des deux sections. Donc c'est 2 fois AL. Je remplace N indice N par N racine de 2 sur 2. Donc ce qui donne la contrainte sigma est égal à N racine de 2 sur 4 AL. Donc voilà l'effort, voilà la contrainte de normale de traction appliquée sur la soudure lorsqu'on a une soudure type frontale. De même, il y a le deuxième effort. Le deuxième effort que j'ai appelé dans le schéma NP, et il est dans le plan de la section. Ici, dans la formule, elle est appelée N normal, N indice normal. Donc, puisqu'on a un angle de 45 degrés, donc il va être N sinus alpha. Sinus alpha, c'est racine de 2 sur 2 parce que alpha égale à 45 degrés. Là aussi, puisque l'effort est dans le plan de la section, donc il va donner une contrainte normale, tau, contrainte tangentielle, qui est parallèle à l'épaisseur. On l'a appelé normal parce qu'il est normal à la longueur, parce qu'il est perpendiculaire à la longueur de la soudure. Donc cette contrainte tau est égale à l'effort qu'on a appelé tout à l'heure NP, ici est appelé N indice N. Donc, divisé par la section totale des deux cordons, parce qu'on a deux cordons de soudure sur 2AL, on remplace N normal par sa valeur, donc ce qui va donner tau perpendiculaire égal à N racine de 2 sur 4AL. En général, vous voyez que sigma en module est égal à tau perpendiculaire. Donc, souvent, lorsqu'on a une soudure frontale, la contrainte de traction sigma en module est égale à la contrainte de cisaillement tau perpendiculaire. Donc, ce sont deux contraintes différentes, mais en module, en valeur, ils sont égales. Et puisque l'effort N est perpendiculaire à la longueur, donc il ne va pas donner une contrainte parallèle. Donc, la contrainte tau parallèle est nulle. Puis, on applique, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le critère de von Mises. Et lorsqu'on applique le critère, donc on va trouver que finalement, la condition de vérification... Lorsqu'on a une soudure type frontal, la dernière formule, donc c'est K racine de 2, N sur 2 à L, inférieur à sigma. Donc il suffit de calculer l'effort par la RDM. On définit une limite élastique qui est celle des pièces assemblées. Par exemple, on fixe la longueur puis on calcule l'épaisseur, ou bien on fait l'inverse. On fixe l'épaisseur et on calcule la longueur suivant. Le schéma de la géométrie de l'assemblage. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les poser. Si on a un petit exercice de la part qui est fait, je vais préparer un exercice, d'accord. Alors même l'exercice, donc si je reviens à l'exercice, alors on peut faire même deux applications. Donc, si je reviens à l'exercice, on va revenir à l'exercice, une petite minute.
Voilà, je suis revenu à l'exercice. Je vais préparer pour la prochaine fois deux applications. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai dit que la platine verticale est soudée sur le tronçon de la traverse 6. Donc il y a une soudure, on va voir comment on peut la dimensionner. Ça, c'est la première application. Deuxième application, si je prends la diagonale qu'on a rappelée, voilà la diagonale. La diagonale est boulonnée sur le gousset. Je peux supposer que la diagonale est soudée sur le gousset. Et on va voir comment, par exemple, dimensionner une soudure lorsque je soude, parce qu'on aussi, on a le droit de souder une diagonale sur un gousset. Donc, si la diagonale est soudée sur un gousset, donc ça, je vais préparer pour la prochaine fois. Je crois que la semaine prochaine, vous allez avoir des séances de révision, Yac. Normalement, la fin du cours, oui, c'est... Monsieur. Yac, mais elle m'attend comme je le planning. Non, regarde, il y a des séances de révision, ça. Ça fait. Marfus, comment ça va se passer, Wadakshi? Non. Non, monsieur Dama, attendez les défauts. Eh, oh, ça fait les... Donc, j'espère qu'il y aura une séance mais de révision flash charpente. Radin, le week-end, je vais vous envoyer le sujet de la charpente. Il m'a dit la plateforme, là, je vais l'envoyer votre délégué. Donc, vous aurez le donné. Donc, c'est le même exercice qu'on a fait, sauf qu'il est un peu différent. Il y a des données qui vont être différentes. Et vous n'aurez pas les mêmes données, tous les groupes. Donc, chaque groupe aura le même exercice. Ce qui change, par exemple, c'est l'effort appliqué F et les dimensions, les distances. Voilà. Le calcul est le même. Donc, c'est bien. Non, c'est bon. Oui, c'est bien. Donc, d'ici le week-end, Inch'Allah, vous aurez les données belles de charpente, c'est sûr. Ok, monsieur. Monsieur le cours, t'as-tu aidé, non? Le cours, t'as-tu aidé, monsieur? L'exercice, hein, comme tu as la dernière partie, ou là, je partage avec moi de l'exercice. Il est parti. Oui, mais pas continue, monsieur. Pas encore fini. Fini. Je vais partager avec moi de l'exercice. Et peut-être que je fais la partie des tractions. Je vais partager avec moi une autre fois l'exercice. Oui, merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais les mettre sur fichier. On dit le fichier. Oui, monsieur. Ok, non, la partie déjà. Le prof a fait le faire des cours. D'accord. Dès que la radine, on dit le faire. On dit le faire de la dernière version de l'exercice. À tard de l'allemand. Ok, monsieur. Merci. Je pense à monsieur, c'est l'heure. C'est l'heure. Anna, donc, je vais enregistrer des PDF et je vais l'envoyer. Puis, on peut quitter bon. Monsieur. Mazel, elle a un certain nombre. Saline, le cours. C'est bon, le cours Saline. Donc, je vais envoyer Saline, le cours. Pas trop quitter, vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Monsieur, نعم هادشي كان هو اللي كان خاصنا نديرو هاد العام يعني هذا هو الكور اللي كان خاصنا نديرو براتيكمون هو هذا باقي ندير بارتي غادي نشوف حيت العام الجاي دابري سكون ما دي كاين اون دوزيام بارتي دو كور
les rendilo le nouveau règlement Eurocode. L'année prochaine va être encore intéressant. Donc rendilo l'Eurocode, je crois qu'on va faire un mini projet. Vous allez dimensionner un mini projet, un hangar. Vous allez faire des calculs manuels et aussi le calcul sur robot. Charles. Monsieur, malheureusement, quand tu dis qu'il y a un dire معنا شي جوج حصص ديال الروبوت. Eh ouais, شوف الوقت راه. لا لا راه غادي نديروا العام الجاي مادموزيل حاجه غنديروا العام الجاي. راه مازال رانا مازال معكم حيت مشي فاسي قال لي راه. ميرسي بو. داكور. لا عندكم او بوا. D'accord, monsieur. Voilà.